Bien, bonsoir cher public. Bonsoir cher public. Voilà, je m'appelle Raoul Djimeli et je suis là pour vous présenter une recherche qui pourrait vous paraître particulière, mais qui au fond n'est pas si particulière que ça, parce que je suis à peu près sûr que chacun d'entre nous ici a eu l'occasion de le faire. Le titre, comme vous le voyez, c'est « Métaphore animale, mondialisation et stratégie du discours postmoderne ». Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Comment les rencontres entre les gens du monde, c'est-à-dire vous, les Noirs, nous, les Blancs, les Chinois, etc., comment lorsque nous nous rencontrons dans le monde actuel, nous constituons à créer un type d'homme particulier qui s'uniforme de plus en plus et qui soit plus proche de l'animal que de l'homme. Voilà pourquoi je disais que ça va être particulier. Mais évidemment, vous allez le découvrir vous-même. Donc, pour l'expliciter, nous allons définir deux concepts. Le premier concept, c'est le concept de postmodernité, et ensuite on va définir le concept de mondialisation. Alors, la postmodernité, comment on l'a définie? Nous allons définir la postmodernité en trois choses. Il y a d'abord la consommation, il y a la nouveauté, et puis il y a l'information. Ces trois éléments vont nous permettre de voir comment nous agissons aujourd'hui en se rapprochant de plus en plus de l'animal. Alors, commençons par exemple par la consommation. Que consommons-nous aujourd'hui? Regardez par exemple ces vestes que je porte, c'est ça la consommation. Je les porte comme ça sans avoir mal aux yeux. Mais je suis sûr que depuis que je les ai achetées, il y a au moins 50 autres personnes qui les achètent comme ça, juste pour les porter et pour le snobisme. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que on va se retrouver dans 50 ans, 100 ans, tout le monde aura mal aux yeux. D'ailleurs, il n'y aura pas que ça, il y aura d'autres écrans qui nous auront foiré la vue. Donc, à côté de la consommation, on a l'information. Comment sommes-nous informés aujourd'hui? Prenez une pierre que vous jetez au milieu d'un tas de poules. Qu'est-ce qui se passe? Les poules se dispersent, n'est-ce pas? Si vous prenez un cadavre de poule, c'est-à-dire un poulet mort, vous jetez au milieu d'un tas de poules, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil. Dans quelques minutes, les poules vont marcher sur le cadavre de leur frère. Alors, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Quand nous étions au village, par exemple, c'est-à-dire à l'époque, quand nous étions encore bien informés, quand il y avait deuil, par exemple, comment est-ce qu'on le savait? Vous restiez, vous voyez la maison remplie. Vous voyez, par exemple, les gens préparer le maïs ou s'asseoir au sol, etc. Personne ne pourrait vous dire que quelqu'un était mort. Mais aujourd'hui, vous perdez quelqu'un. Pendant que ceux qui vous aiment cherchent encore la meilleure façon de vous le dire, vous voyez un type qui a posté la photo de votre père qui est mort sur Internet, coincé sous un train. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait que le cadavre de son père ou de lui-même se balade sur toute la toile? Voilà, c'est exactement comme ça que nous sommes informés. À côté de ça, donc, il y a la nouveauté, la nouveauté. Les filles, vous-même, vous savez, il y a des gars qui sont prêts à vous créer une lotion extraordinaire qui vous blanchit la peau en une journée. Et après, ça vous tue toutes vos cellules. Petit palu, vous êtes à l'hôpital. Petit vent, c'est la toux. Après, c'est la tuberculose. C'est exactement cela, ce que nous appelons la nouveauté aujourd'hui. Les garçons, par exemple, nous avons au moins 1000 applications dans nos téléphones qui ne nous servent à rien. Il y a une application pour draguer les filles. Il y a une application, par exemple, pour, je ne sais pas, résumer un livre sans avoir lu, résumer même la Bible. Il y a tellement d'applications qui ne nous servent exactement à rien. Donc, c'est ça la nouveauté. Nous créons, nous créons, nous créons. Au finish, on ne sait pas à quoi ça nous sert. Donc, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, par exemple, c'est que nos applications ne nous servent à rien. Il y a même des applications pour conjuguer. Vous voyez un gars qui a l'application pour conjuguer, comme si lorsqu'il me voit, il dit, monsieur, vous souriez, comme s'il allait regarder l'application pour savoir s'il va dire vous souriez ou vous sourissez. Et vous voyez, parfois, il s'embrouille jusqu'à il demande que vous complétez, comme je vous ai demandé de compléter tout à l'heure. Donc, à côté de ça, là, on va définir la mondialisation. La mondialisation, c'est deux choses. La mondialisation, c'est deux choses. Il y a le village planétaire, domination et soumission des cultures. C'est quoi le village planétaire? Pour nous qui sommes africains, on comprend facilement le village planétaire. Au village, tout le monde se connaît. On se rencontre à l'Enzuka, on se rencontre à la Dote, on se rencontre partout.
Donc on se connaît presque. Et il y a le marché qui est dans cette logique de village planétaire, le marché qui nous permet de vendre et d'échanger tout ce que nous avons, d'acheter même, n'est-ce pas? Donc, et à côté de cela, lorsque ces différentes personnes se rencontrent, il y a évidemment domination et soumission des cultures. Vous voyez un monsieur qui a un comportement à lui, lorsqu'il arrive dans le monde mondialisé, et puis il partage son comportement avec vous, et au fur et à mesure que vous l'écoutez, au fur et à mesure que vous l'apprenez, à un moment vous devenez comme lui. Devenez un peu comme un animal, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous marchez, à un moment vous ne savez même plus où vous allez, vous marchez juste. Donc, et c'est donc ce que nous appelons la domination et la soumission des cultures. Cette domination et cette soumission des cultures font d'un être un type d'homme particulier. Il y a quelques années, le professeur Ebenezer Djouwele nous parlait de l'homme, critique. Ceux qui ont lu un peu ses livres savent qu'il parle de l'homme critique. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de l'homme critique. Nous parlons d'autre chose. La conséquence de ces deux éléments, c'est l'homme virtuel. L'homme virtuel, l'homme qui est assis avec toi, il ne peut pas te dire bonjour. C'est-à-dire que vous voyagez, Douala, Yaoundé, il ne vous dit pas bonjour. Parce qu'il est là, il est là, il est là. Mais si vous êtes son ami, il est en train de vous communiquer avec vous. Peut-être que vous êtes aux États-Unis. Donc, c'est ça l'homme virtuel. L'homme virtuel, l'homme androïde. Tout le monde, 6.2. C'est comme ça que les filles marchent. 6.2. Chacun veut montrer ce qu'il a, exactement. C'est donc ça l'homme virtuel. Mes amis, tout le monde ne peut pas être virtuel. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours en train de vouloir consommer la publicité. Je ne sais pas si c'est du slam. Mais il y a une petite chanson que j'aime souvent chanter et qui dit que l'homme sage regarde la publicité pour s'amuser, consomme le produit. Mais l'homme virtuel, l'homme androïde, ne regarde pas la publicité pour s'amuser. Il finit de consommer la publicité et après il passe s'amuser avec le produit. Le produit ne lui sert à rien. Donc, c'est un peu ça notre monde aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai dit que nous sommes en train de nous avancer de plus en plus vers un monde animal. Alors, mais quand je dis comme ça, ça reste encore, je sais que j'ai beaucoup bavardé, mais ça reste encore très théorique. Nous allons voir exactement comment nous agissons aujourd'hui. Par exemple, dans nos attitudes, dans nos pensées, etc. Pensez un peu à la logique des selfies. Pour une première fois, j'ai voulu exposer quelqu'un qui m'est cher, c'est ma mère. Elle aussi, elle aime les selfies. Regardez son âge. Voilà, merci. Comment ça se passe les selfies aujourd'hui? Vous rencontrez un gars, tchac, au deuil, tchac, anniversaire, tchac, tout, tchac, même quand il est aux toilettes, tchac. Les filles, vous-même, vous connaissez. Donc, c'est cela les selfies aujourd'hui. Et vous ne savez pas, il y a des familles qui se sont rencontrées juste parce que le père avait dit, donne-moi, s'il te plaît, prends mon appareil, filme-moi. Et quand la mère avait filmé, le père était calé en même temps avec l'appareil et la main. Aujourd'hui, si tout le monde peut faire son selfie, les autres vont faire comment pour se marier aussi? Donc, à côté de ça, à côté des selfies, il y a le suivisme, le moutonisme. Je suis Charlie. Le lendemain, votre chien est tombé dans le trou. Je suis le chien du voisin qui est tombé dans le trou. Demain, l'autre chien a assassiné son voisin. Je suis le chien. Je suis le voisin que le chien a assassiné. Demain, je suis Ezeka. Depuis que vous êtes même tout le monde là, ça change quoi? C'est juste une logique moutoniste. Vous êtes donc... Non, vous n'êtes pas idiot, vous êtes moutoniste. Vous suivez, vous suivez, vous suivez. Vous allez où vous ne voulez pas. Donc, à côté de ça, évidemment, il y a nous-mêmes notre comportement, nos attitudes. Quand une fille est bien habillée, on dit que c'est quoi? C'est un chameau, c'est une panthère, c'est une lionne. Merci, je vous remercie. Il s'agit des baleines.